t'es à retour de course, mais je veux bien un café. Oui, après. Non, là, tu viens de me dire. Après, on fait le retour de course avant. Oui, c'est bonne femme. Donc, on était faire un petit tour avec... Salut. Salut. Avec Miss Raclette. Donc, on était faire un tour à Rungis Discount. Un mot, on précise. Donc, Il y a des yaourts. Il y a un rapapazzi. Donc voilà, allez, on y va. Alors, les yaourts, la yaourt, la laitière. Donc, ça, c'est la vanille. Donc, vous faites gaffe, c'est les pots en verre, bien sûr. Il y en a 2, 4, 6, 8. C'est ça ? 8. Donc, ça, c'est la vanille. Ils sont trop bons, ceux-là. Moi, j'adore ceux-là. Ah, si, si, aussi, elle. Bon, ouais. Si, si, elle adore la vanille. Bon, le seul hic, c'est que des fois, l'opercule, c'est super raide à retirer. Ben, au moins, c'est bien collé. Il risque pas de fuir. Ils sont étanches. J'ai pris 2 paquets de Prince pour 1 euro le paquet. Donc voilà. Enfin, il y en a un, il sera rempli de miettes. Hein. Ouais, il y en a un qui est tombé, mais ça va, c'est pour ton café, donc ça va. Non, c'est pour Alexis. Toi et Alexis. Donc j'en ai pris 2, donc ça va être tout 1 euro. Du coup, coucou Lou, parce qu'il y a Laura avec nous, et puis certainement Romain, il va passer, donc voilà, donc j'en ai acheté 2. Romain, c'est le frangin, mais c'est pas Romain. C'est juste son surnom. C'est des 1,5 litre. Voilà. On a pris la boisson Fisty aussi. Fisty, ouais, au thé noir. Et saveur pêche, ils sont très très bons, ceux-là, je vous les conseille si vous ne connaissez pas, tester. Très peu sucré. On a repris du lait. Au total, on en a eu pour 123 euros, c'est ça. Ouais. Ouais. On a repris du lait Lactel aussi par l'eau de 6. Voilà, ça c'est très encore cool. Des yaourts, donc ça c'est les moelleux au chocolat de la marque Laitière. Il y en a que 2 à l'intérieur, par contre, on va pas aller bien loin avec cela. Hein, ouais, c'est des spéciales micro-ondes, t'as vu? Ah, c'est des spéciales de micro-ondes. Ouais, ouais. Wow. Il y a ceux-là et au spéculoos, on a pris. Au spéculoos. Donc on vous dira dans les produits finis si c'est bon ou pas. Des flingueurs. Ouais. C'est des tontons flingueurs, donc madame, elle en a pris 2. Donc, ouais. 1 euro le paquet. Donc, 1 euro le paquet. Des M&M's pour monsieur. Donc voilà, c'est un lot de 500 grammes plus 10%. Ah, voilà. C'est normal. Tout dans les fesses. J'ai pas de cul. C'est con. J'ai pris 2 sauces comme ça, je peux vous la deuxième. J'ai entrevu tout à l'heure, non? Ça, c'est super bon. Franchement, quand on testé, c'est un délice. C'est vraiment le goût de sauce tomate. En plus, celle-là, c'est aux petits légumes. Ouais, aux petits légumes. Donc, celle-ci, elle est très très bonne. Moi, j'en ai pris 2. Elles étaient 1 euro. 0,99 la truc. Ah, quand même. Des danettes à la vanille. Quand je vous disais comme quoi c'était super fan, vous avez vu la gueule des emballages. Maintenant, c'est une horreur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sur-emballage. C'est très bien. Ouais. Donc, il y en a 6. À la vanille. C'est vrai, t'as vu, il n'y a plus de. Et là, c'est con, hein. Franchement, c'est très con. Hein. Mais bon, ça va. C'est C'est débile. Eh, mais c'est du carton, ça n'empêche pas, ça ne devrait pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est au pur chocolat. Donc, il y en a 6. Non, c'est des viennois. Viennois. Ah ouais, c'est des viennois. J'ai pas fait gaffe, des viennois. Il y en a 8. Dès que la foutille, la laitière, il y en a 4 dedans. C'est très bon. Oui, c'est à la cerise. Et j'ai pris la méco aussi, mais je sais pas où ils sont. Des mousses au chocolat, donc il y a chocolat noir et chocolat au lait. Donc là, un de chaque. Voilà, très bon. De la marque Nova. Nova, ouais, c'est très bon. Mamie Nova. Des petites saucisses comme ça avec le fromage à l'intérieur, c'est très très bon. Je vous conseille si vous ne connaissez pas. Hein, le reste sont bonnes celles-là. Très bon. Sont très très bonnes. Vous avez pris ça? C'est pour faire les gâteaux au yaourt. Donc on va faire des gâteaux au yaourt parce que les vacances sont en temps. Les glaces sont en vacances. Donc voilà. Des gâteaux au yaourt, c'est pas ça. Et la 4. J'en ai pris d'autres aussi. Donc là, c'est saveur fruits des bois et saveur framboise. Ah bah elle en a pris d'autres. Il y a de la banane. Il y a de la banane. Ah bah, et dans celui-là, il n'y a pas de banane. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est pas les mêmes goûts. Donc j'avais pris 2 paquets. Ils étaient à 0,75. Ensuite, madame, elle a pris des perles de. Tu parles trop. Hein. Ouais. Elle a pris des perles de lait. Pardon, il y en a 4 à l'intérieur. Donc ça, c'est quoi? C'est juste éclat de chocolat et parfum puer. Du puer. Et elle en a pris un parfum caramel. Ouais, tu montreras plus tard. Donc voilà. Allez, vas-y, à toi. De l'ail. Donc là, voilà, j'en ai pris parce que l'autre fois je l'avais mis dans mes pots là comme ça. Mais bah, faut pas. Et du coup, je les ai enfermés. Et... C'est pas une poussière. Ah, je vous montre du côté pop. Donc dans ces pots là, j'avais mis l'ail dedans, il avait refermé et ça a transpris. Il y a l'échalote qui a coulé, enfin je sais pas, la pourri dedans. Du coup, tout l'ail était pourri. Donc ne les mettez pas dans les pots, laissez-les à l'air libre, ça marche bien. On me disait tout à l'heure les clafoutis. Donc... Ah bah voilà. Ils étaient juste sous-tendés, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est trop bon ça. Ensuite, elle a pris des yaourts à la grecque au caramel. Alors, caramel beurre salé. Franchement, c'est super bon. Pour ceux qui ne connaissent pas le caramel. Les yaourts à la grecque, déjà, ils sont bons. Ils sont le plus bon. Il y a Nestlé. Ah, mais attends, Nestlé et l'autre, c'est Yoplait. C'est Yoplait. Ouais, ça, c'est Yoplait. Et ça, c'est Nestlé.
c'est faut que je le mange, c'est con. Quand il sort, ça veut dire faut que je le mange. J'ai repris de la viande de poulet comme ça. J'en ai pris deux parce qu'à 2,50€, ils sont très très bons. Si vous les voyez en magasin, prenez-les. Parce que c'est un délice. Vous voyez, ça, non, ça vaut 4,68€. Ils étaient à 2,50€. C'est du poulet parfumé à l'ail. Et je sais plus. À l'ail. Et au romarin. C'est un délice. Franchement, allez-y. Elle a pris donc des wakos. Donc ça, c'est super bon. Donc ça, c'est café gourmand. Café, café. Et café, café. Donc elle a, en fait, elle en a acheté. Il n'y a pas beaucoup dedans, il y en a que deux à chaque fois. Ouais. J'ai appris du sucre vanillé comme ça de la marque Belle France. Donc ça voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans, il y en a 5 dedans. Et j'ai appris de la levure chimique aussi, voilà. Encore de la danette, ça c'est surtout pour Alexis, je suppose, quand il y a des petits crunchies à l'intérieur. Ouais, donc voilà. Oui, quand je dis qu'il y a des suremblages pour rien, débile. Et du coup, on en a pris deux. J'ai appris du fromage aussi pour faire des croque-monsieur, donc voilà, cette marque-là, il y en a combien de tranches dedans? Il y a 10 tranches dedans, il y a comme ça, et j'ai pris aussi un autre, mais je voulais. J'en avais vu un tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Mais les saucisses, tu les as déjà montées, pas là? Les petites, là-bas, oui. Bon, bah c'est pas grave. Là. Ouais, mais celle-là, elle est comme non? Celle-là, non. Il y en avait qu'un, celui-là? Oui. Donc elle a repris ça, c'est très bon quand vous faites au cookie-o, c'est très bien, ça. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, ça suffit amplement. Quand vous êtes 3 ou 4, mais là, on va être 4. Donc 240 grammes, il va falloir prendre. J'ai pris ça à Laura, elle m'a dit ouais, ma tata, mange des aubergines, c'est bon. Donc c'est un kit complet à faire, voilà, je montre. Au micro-ondes, donc il y a tout qui est dedans. Donc je trouve ça pas mal, c'est des petits kits hein, pour pouvoir emmener au boulot ou autre. Donc là, c'est aux aubergines, du coup, on a pris un pour Dieu et un pour moi. Mais les mômes sont en vacances. Bah, c'est débile, attends, puis mange plus tard. Mais ils ne mangent pas ça, de toute façon. Bon. Ma femme, elle a repris des petits filous pour Alexis, donc ça, c'est pur chocolat, parce que alors lui, c'est trop. Hein? Mais t'as pas le droit à ça. C'est bon les petits filles. Ouais, non. Café royal. Ah, c'est à la noisette. C'est à la noisette. C'est la première fois qu'on le voyait celui-là. D'accord. Donc voilà. C'est trop bien. Pourquoi qu'il déchire. Bon, c'est con. Donc voilà. Royal à la noisette. Et j'ai un truc qui me chatouille là. C'est pas moi. Des poils déminés. Il n'y a pas grand chose comme noisette par contre là-dedans. Hein. Il y a 8. 8 12 doses. 12 doses. Les pâtes, c'est la vie, on a pris des petites pâtes comme ça. Donc ça c'est trop bien. Mais ça, on se trouve très bien ces petites pâtes. Des loups de fromage, ça c'est très bien, ça suffit amplement des fois, des mentales, c'est très bien. Bon, on a acheté du fromage des Vosges, mais c'est pas grave. Des fois, ça dépasse. Je sais même plus où les mettre. Café royal aussi, on a pris un gros pack. Donc, on a pris celui-ci au cappuccino, ça c'est pour moi. Et un gros pack pour toi aussi, là-bas. Un kit chocolat. Café royal. Donc, ça, ils étaient à 4€ quelque chose, je crois, c'est ça 4,50. 4,50. Donc, et dedans, il y en a. Beaucoup. 42. Il y a 15 doses de chaque, parce qu'il y a du lait. Et là, il y en a 30 à l'intérieur. Ouais. Donc, voilà. 4,50€, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. Et là, c'est pris. C'est du chocolat, chocolat. Pour Alexis. Du chocolat. Ah, d'accord. Ouais, il est bois. Hein. Donc voilà. Café royal. De temps en temps. Ouais. Il a pris des petits cakes aussi. Je les trouve un peu chers par contre. 2,25€ les deux petits cakes. Après, c'est pas de la marque spécialement. En fait. Je crois pas, non, c'est quoi, non? Pâtisserie traditionnelle. Ouais, donc voilà, deux petits cakes marbrés et normal. Alors ça, c'est les imitations Candy Up à la fraise. 28 juillet, les cakes, comment? On a le temps. Donc voilà, donc il y en a 6 à l'intérieur, c'est un peu comme les Candy Up, ce que je disais. Du coup, la Candy Up, c'est pour qui, ça? Tiff. D'accord. Donc, c'est à quoi, ça? Parfum ananas pêche céréale. Pas mal, ça peut être dégueu, non? Ouais, tu goûtes? Ben, comme par hasard, tu l'as remué avant? Non, je l'ai remué. En attendant, j'ai pris des spaghettis de la marque Barilla et c'était 1€, je crois que c'est ça. Ouais, 1€. Ouais, les deux paquets, donc voilà, il y a combien? Il y a 5, il y a 1 kilo dedans. C'est pas super lourd. C'est pas dégueulasse. Et nous, on a pas le droit de goûter. Non, on n'a pas. J'ai craché dans le gueule. J'ai pris du jambon aussi, 2 plus 1, 2 gratuites, donc ça aussi c'est du bon jambon. La marque Fleury Michon, super bien, sans sel ajouté. Il fleurit ces nichons? Ouais. Ah. En printemps. Okay. Donc des pâtes imitation cheveux stressés. Ouais, j'aime bien celle-ci. Des Mafaldine. Ouais. Mafaldine numéro 2. Donc voilà, ils sont bizarres, c'est la même chose. Ils sont très bonnes ces pâtes. Non, franchement, ils sont pas dégueulasses. Pourquoi tu mets le jambon? Bah, parce qu'il faut mettre au frigo après. Bah, mais tu mélanges tout et du coup je remonte deux fois. Ça va là. Allez, on y va dans les pommes, dans les compotes bio. Big up pour piquer. Alors, ça, c'est des pommes bananes. Donc, j'ai appris pour Alexis et moi aussi parce que gourde, c'est pas pratique comme ma diseur. De temps en temps. Si j'en ai pris une, c'est pas.
Et du coup, elles sont très bonnes. Voilà. Elle a acheté cette dégueulasserie-là. Non, c'est très bon. C'est juste que toi, t'es, voilà, t'as pas l'habitude d'avoir du produit sans sucre. T'aimes pas le iced tea. N'aimes pas les trucs. N'aimes pas rien. Donc voilà. C'est dégueulasse. Voilà. Non, c'est très bien. Et il y en a 5 à l'intérieur. Ouais, mais c'est bio. Dégueulasse. Moi, franchement, j'ai pas aimé. Actif, ils sont bons, les trucs bio. Simple. Tiens, ma fille, viens. Je te l'offre. Avec plaisir. Il en restera plus qu'un. Tiens. Des petites madeleines comme ça qui viennent de pays breton. Alors, je sais pas pourquoi. Des pépites de chocolat. Oh, ça aurait été bon. Donc, c'est des petites madeleines, elles sont suremballées aussi. Donc, voilà de la marque Yael. Je connais pas du tout, donc on verra bien. Je vous dérange pas trop. Non, ça va, au calme. Donc, aux pépites de chocolat, on vous mettra dans les produits finis si c'est bon ou pas bon. J'ai repris des pommes. Non, des poires. Des poires. Ça, c'est pour faire des gâteaux. Des cordons bleus, parce que nous on est des adeptes des cordons bleus, donc voilà, on a pris 4,50€. Ouais. Et il y en a 8, 10, 8. 8, je crois que c'est 8. Ouais, 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 à l'intérieur. Ils sont très bons. C'est très bien ça, ça dépend bien. Du pain de mie qui était 1,75€ le pain de mie. C'est pas bon. Si, ils sont bons. Ouais, bon. Qui, voilà, il y a beaucoup dedans, il y a combien dedans? Oui, il y a 1000 grammes, 800 grammes, donc par marque à risque. Donc, c'est faire les croque monsieur. Voilà, moi je préfère cela. Capri-Sonne, là, moi, là, je sais que là, c'est trop bon. Il y a plus de sucre. Et il y a un pack acheté, il égale une brique pour éviter une maison. C'est le truc qui est bio. Égale une brique pour éviter. L'intérieur n'est pas bio. Pour édifier une maison. Ah, en fait, t'achètes et ça donne une brique à quelqu'un. C'est ça. On a pris du Danonino pour Alexis bio, donc voilà, ils sont comme ça, les assises dedans. Ouais, ils font tout en bio, en ce moment, ils font tout le bio surtout. Du coup, shop, donc voilà, j'ai fait gaffe parce qu'il y en avait un, il était pimenté. Je me suis dit, s'il y en a un qui prend ça, vas-y, bouge pas. Hop là, ça c'est fait. Donc voilà, donc c'est un petit ketchup 560 grammes, il n'y a pas grand chose dans celui-là. Je bouge. Fais pas l'homme avec moi, tu vas perdre. Le fromage. Voilà, ça aussi, ça va être pour les. Croque-monsieur! Croque-monsieur, merci Laura! Donc voilà, je suis. Et elle a acheté ça, des petites Volvic à la fresque! Non, c'est du hibiscus! Elle a fait fécus! Donc voilà, fait fécus! Voilà. C'est les petites bouteilles de 37 centilitres! Ouais, parce que j'ai soif, franchement, j'ai encore moins. J'arrive pas à m'en débarrasser! Alors, deux chèvres pour le prix de 1€! Donc voilà, on en a pris! Ça, c'est les petits chèvres, on vous dira dans les produits finis! Si bon, je suis fromage de chèvre! Hein, voilà. Mayonnaise, donc du coup elle en a eu deux. Deux pour 1€. Deux pour 1€, donc voilà, donc c'est la marque Maille, en plus fine, qualité traiteur, et je sais plus combien de kilogrammes il y a là-dedans. 300 grammes, donc voilà. Voilà, c'est des gros pots. Et j'ai pris des petits pavés d'affinoir. Et j'ai pris des petits pavés d'affinoir. Donc c'est un petit filet comme ça, et je sais plus le prix. Baguette. Et l'assise dedans, donc ça c'est très très bon. Du sucre. Ah, parce qu'il faut penser au sucre, parce que ma fille elle est là, donc je sais que moi et elle bah, ça va faire beaucoup de sucre. Donc voilà, on leur prend un d'avance. Je ne fais pas trop, ça va encore. Non, ça va. T'as quoi d'autre? Attention, t'as quoi? Les fraises. Il y a les fraises à madame, parce que je ne sais pas ce qu'elle a avec ses fraises, elle m'en kikine. Ça y est, ça arrive. Ouais, elle vient du Maroc, hein. Ça va. Donc voilà, donc c'est. 1,50€, franchement. 500 grammes. Elles sont grosses, elles sont. Ouais, elles sont pas mal. Elles sentent un petit peu. Ah, si, elles sentent. Ah, pour une fois, ça va. C'est de la grosse fraise, hein, vous voyez un peu le diamètre de la mémère. C'est celle qu'on a en Espagne. C'est ça. Et j'ai acheté du PQ parce qu'il faut aller au chef. Une fois qu'on a bouffé toutes ces conneries-là, il faut aller au chef. Donc voilà, 24 rouleaux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris la roulette chez Marie-Blanche. Ouais, on était faire un tour chez Marie-Blanche au passage. Enfin, c'est malade. Marie-Blanche. La chair, pardon. Donc on a pris 4 baguettes. Et aujourd'hui, si vous achetez 4 baguettes, il y avait 4 trous de café. Donc on va en mettre au congélateur. Voilà. C'est tout, je crois. On a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Donc voilà. Ouais, j'ai de la vanille. Donc voilà, la vidéo elle est finie. Pensez à liker, pensez à vous abonner, surtout c'est gratos. Je le reprécise parce qu'il y en a plein qui nous suivent, mais en attendant, pardon. C'est j'ai le Corona Toutou, moi. Corona Toutou. Corona Toutou. Et donc oui, il y en a qui ne savent pas qu'il faut s'abonner, alors c'est gratos. Ouais, il ne faut pas, c'est si faut, vous voulez. Là. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Le mieux, c'est s'abonner, comme ça vous recevez les nouvelles vidéos à chaque fois. Voilà, et activer la petite cloche.
Et on vous remercie à tout le monde, on est à 5800. Une boîte, ça monte petit à petit, on va commencer à faire refaire les vidéos, vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà. Juste qu'on reprenne les habitudes. Voilà, c'est ça. Allez, on vous fait de gros bisous, on vous dit à très très bientôt. Allez sur Utip, il fonctionne toujours. Putain, pour une fois, tu blatères. Allez sur Party Light, c'est les promos, les filles, allez. Faut vendre. Bon, allez, laissez tomber Party Light. Bisous à tous et à toutes.